Ces dernières années, le Garaf est impliqué dans plusieurs projets de végétalisation de la ville de Drummondville. Le 10 avril, des élèves de 5e secondaire se sont rendus aux ateliers municipaux pour présenter deux options d'aménagement d'un bassin de rétention près de la bibliothèque publique. En plus de solliciter leur créativité et leur expérience sur le terrain, ces élèves ont eu le soutien des architectes paysagistes Rousseau-Lefebvre pour illustrer leur projet à l'aide de schémas et plans. Voici ce qui s'est passé. En décembre 2023, on rencontre Patrick, on lui parle d'un projet d'aménagement peut-être plus vaste à Drummondville où on pourrait collaborer. Puis on a eu l'idée de travailler sur le bassin de rétention Victor Pépin et c'est ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Près du bassin, il y a déjà deux zones vertes importantes, le parc Oudiat et le cimetière Saint-Frédéric. C'est des zones très importantes pour les espèces de végétation et de faune environnante. Donc ici, on peut voir la bibliothèque, la patinoire et le boulevard des Forges. Comme on peut le constater, il y a déjà plusieurs zones vertes de présentes sur le site qu'on pourrait utiliser dans le futur. On a aussi en jaune le bassin et en bleu la noue. La noue appartient au Maxi. On a aussi un autre voisin, le CN, de ce côté-là. On est présentement en train de faire des démarches pour pouvoir travailler avec eux sur ce projet. Donc, lors des réflexions en classe, on a identifié des préoccupations qu'on trouvait importantes et qui ont ensuite guidé la création des plans. Donc, on avait trouvé adaptation et lutte au changement climatique. On avait aussi amélioration de la biodiversité en milieu urbain et de la connectivité faunique. On avait valorisation du centre-ville et diversification des services aux citoyens. C'est nos préoccupations les plus importantes selon le GARAF. Pour les concepts d'aménagement global, on avait pensé à réserver un espace pour la biodiversité dont la végétation abondante va pouvoir maintenir l'équilibre avec les écosystèmes. Ça va être aussi un site d'apprentissage et de sensibilisation pour les personnes qui vont être intéressées. Puis, on voudrait concevoir un environnement accueillant et propice à la prolifération des pollinisateurs, notamment les abeilles indigènes, les papillons et autres insectes indispensables. Également, on voudrait créer un espace pour l'expérimentation agri-urbaine en incluant le melon de Montréal et le pawpaw, deux espèces indigènes d'ici méconnues. Donc, voici des graines de melon de Montréal qu'on s'est déjà procurées. Et également, améliorer le paysage urbain. Alors, voici des exemples de concepts d'aménagement. Pour le modèle 1, 100% biodiversité, malgré que c'est au plein milieu de la population, on peut voir ce magnifique bassin de rétention, 100% dédié à la faune et la flore à Saint-Jérôme. Donc, ensuite, pour le modèle 2, qui serait hybride, donc, c'est de créer un espace touristique vert en enlevant le décor gris de la ville, en y plaçant des aménagements humains adaptés, ce qui est bénéfique pour faire découvrir une variété de végétaux méconnus et également notre ville, grâce à cette nouvelle attraction près de la bibliothèque et de la patinoire, deux endroits déjà bien visités. Pour le 100% biodiversité, on aimerait une abondance de végétation variée qui va favoriser la résistance à plusieurs maladies, une création de nombreux aménagements fauniques qui seraient bénéfiques à la faune locale, à la fois aux animaux et aux insectes, puis favoriser l'accès aux citoyens en bordure seulement. Donc ensuite, pour le modèle hybride, notre concept serait de cohabiter avec la nature, avoir un endroit paisible, avec une végétation plus arborescente, comme on laisse un grand espace pour les aménagements humains. Il y aurait environ 60 % pour la biodiversité et 40 % pour les humains. Pour être plus précis, l'aménagement 100% biodiversité contient 14 arbres avec 4 variétés, 190 arbustes dont 9 espèces et 185 herbacées avec 10 familles différentes. Grâce aux nombreuses variétés, ça va être plus propice pour l'environnement, puis il va aussi avoir une floraison d'avril jusqu'à octobre. Donc, on a travaillé avec Rousseau-Lefebvre pour l'aménagement végétal. Donc, pour le modèle hybride, il y avait évidemment une quantité plus petite, mais tout de même, une grande diversité de familles sera présente. Donc, on y retrouve pour les arbres 9 au total et 3 variétés. Pour les arbustes, 165 au total avec 8 variétés. Pour les herbacées, 135 au total et 9 variétés. Pour les aménagements fauniques, nous utiliserons les créations de nos élèves de Garaf qui, tout au cours de leur parcours, donc de secondaire 1 à 5, ont réalisé des nichoirs, perchoirs, dortoirs, etc. Pour les aménagements urbains,
Donc, il y aurait deux bancs et deux tables, ainsi qu'un sentier tout autour du bassin, si possible construit avec des matériaux écologiques, donc qui ne va pas affecter notre environnement. Donc, voilà notre plan pour le modèle 1 100% biodiversité. Comme vous pouvez l'apercevoir, nos végétaux sont dispersés. Soleil selon le type de sol et l'humidité. Donc, voici un exemple de ce que pourrait ressembler notre bassin. J'ai moi-même réalisé ce plan dans un cours Garaffe où nous devions imaginer notre version du bassin, donc nous-mêmes. Nous nous sommes bien sûr inspirés de toutes les idées qui ont été données à travers ce projet, donc de tous les élèves de notre classe. Aujourd'hui, l'équipe de travail qu'on a, là ils le réalisent que c'est du vrai. Donc, vous participez à l'apprentissage de cette gang-là, puis aussi à la motivation. C'est pas la même chose qu'un prof présente un projet puis dit « Hey, on s'en va faire ça ». C'est pas l'idée de prof, là, ici, là. C'est une idée de nous tous. C'est ça qui est hot. Et on va réussir à être bon si vous êtes là. Si Rousseau-Lefèvre est là, si la ville est là, c'est là qu'on va être bon ensemble. J'ai vu des choses dans les deux projets qui m'intéressent pour des raisons totalement différentes. Hein. Je vous l'ai dit tantôt, je suis la directrice du service de l'environnement, fait que c'est sûr qu'un bassin de rétention 100% biodiversité, ça m'intéresse pour plein de raisons. Vous avez nommé plein de mots qui viennent me rejoindre, indigènes, connectivité, espèces exotiques envahissantes, mais en même temps, un espace, rapprocher les gens de la nature, ce que vous nous avez proposé avec votre modèle hybride aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Fait que j'aimerais peut-être en entendre un ou deux d'entre vous nous dire c'est lequel, vous, votre préféré. Là, je veux entendre vos pourquoi à vous, pas les nôtres, mais les vôtres. Vu sa localisation près de la bibliothèque, puis que c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de gens qui y vont, je trouvais que le hybride était mieux pour pas les encourager à y aller puis déranger la faune. Je trouvais que c'était un endroit qui leur permettait justement de se rapprocher à la nature en étant quand même en ville. Moi aussi, je suis totalement d'accord avec ce que Noah a dit. Je préfère le plan hybride. Comme on est dans la ville, en plein milieu de la ville, c'est sûr qu'il va y avoir des gens. Donc oui, ça peut venir déranger la faune. Mais aussi, moi, je trouve que c'est très important de faire découvrir des nouvelles espèces à la population et de les informer sur la faune, la flore, l'écologie. Félicitations pour vos concepts. Franchement, ça tombe dans le mille avec, je ne sais pas si vous les avez consultés avant, mais la ville, elle a plusieurs politiques, plusieurs plans qu'elle s'est engagée à suivre. Le plan d'adaptation au changement climatique, plan de conservation des milieux naturels, la politique de l'arbre. Toute notre vision sur les potagers urbains, puis ça rejoint vraiment qu'est-ce qui était prévu, puis qu'est-ce que, vers où la ville s'en va. Fait que moi, je vois vraiment un beau potentiel là, que la ville atteigne des objectifs, mais en partenariat avec le GARAF. Franchement, félicitations. Moi, j'avais quelques petites questions concernant. On a un peu parlé, mais l'entretien, puis Emmanuel en avait parlé un peu. C'est sûr qu'en même temps, on a des bassins de rétention, mais on a aussi à opérer une ville. Fait que j'aimerais peut-être ça vous entendre sur comment, dans le concept, est-ce que oui ou non, vous avez réfléchi à ça? Puis si oui, ben comment vous l'avez considéré là, dans vos aménagements? En fait, en Garaffe, souvent, on y va durant les cours. On y va nous-mêmes en grosse équipe et on travaille là-dessus. Mais ce n'est pas tout le temps ça qu'on fait. Des fois, on demande à des personnes plus précisément qui font ça en dehors des cours de façon pédagogique. Moi, c'est pour répondre à la première et à la deuxième question. Donc, moi, personnellement, c'était biodiversité que je trouvais le plus intéressant, surtout aussi parce que ça n'a pas beaucoup besoin d'entretien. C'est un projet beaucoup qu'on a à la ville aussi, d'avoir des espaces, en fait, qui sont plus biodiversifiés, mais sans entretien. Moi, je pense que les écoles puis les garderies, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'ils peuvent se faire une petite sortie, genre, on s'en va voir les plantes, on va s'occuper des plantes là-bas, parce qu'ils n'ont pas de place, eux autres, nécessairement, pour faire ça dans une cour d'école. Mm-hmm. Fait que je pense qu'un bassin comme ça, ça peut les aider à avoir un espace pour apprendre dans la nature aussi. Tout à fait, c'est éducatif, là, parce que vous implantez plusieurs espèces, une belle biodiversité. Fait que oui, définitivement, ça peut être une belle fenêtre éducative. Effectivement, c'est une bonne idée de varier vos conifères feuillus, justement, pour l'exutoire, mais aussi pour la faune, la biodiversité. C'est,
c'est ce qu'on recommande toujours de varier. Tu sais, autant la petite faune des oiseaux vont se servir des conifères l'été, le printemps, ils vont aller faire leur nid là-dedans, dans les conifères, souvent. Tu sais, ça sert d'abri aussi, les écureuils, peu importe. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'y aller en variant. Au Garaf, un des éléments qui nous démarque là, par rapport à peut-être aux entreprises qui œuvrent dans le domaine, c'est qu'on a vraiment un programme de suivi. Le suivi, c'est important parce que les élèves, quand ils plantent des arbres, sont en secondaire 1, bien, ils font suivi plus tard, 4 ans après, ils voient l'évolution. Ça permet de voir que chaque action, on dit souvent, chaque petite action, petit geste a un impact. Mais là, on a le temps. En faisant un suivi, on permet aux élèves de le réaliser. Puis, ça ne sera jamais laissé à l'abandon. Mes félicitations, vraiment, c'est un super travail. Je sais que la firme a été nommée à quelques reprises, Rousseau-Lefebvre, mais ça a été un réel plaisir pour l'équipe, pour Isabelle, d'ailleurs, de travailler en accompagnement pédagogique, de réenchérir sur vos idées, parce que ce sont vos idées. Donc, autant les élèves qui sont présents ici que ceux qui sont en classe aussi, là. Donc, nos félicitations, ça a été, je le répète, un accompagnement pédagogique. Les idées étaient très, très bonnes. Ça a été simplement de vous aligner peut-être sur des choses qui sont plus réalistes ou sur la survie, justement, la pérennité des bassins de rétention. Donc, je tenais au nom de l'équipe à vous dire que ça a été un plaisir de travailler avec vous autres. Les aménagements devraient commencer en tout cas à l'automne, si on est prêt. Il suffit, là, dans le fond, là, de se coordonner pour qu'on puisse commencer ces aménagements-là sur ce projet pilote qui va donner le ton pour les prochains aménagements de bassins de rétention. Merci, gang. Nous, on s'en va prendre une crème glacée. De quoi es-tu le plus fier dans le projet? Oui, en fait, ce que je suis le plus fier dans ce projet, c'est aussi ce dont je suis le plus fier dans toute l'entièreté du programme de Garaf. C'est que, oui, à cette table, on a l'air d'être une assez petite équipe, mais en réalité, c'est faux. On est beaucoup, beaucoup d'élèves qui travaillent pendant plusieurs années, qui mettent leur grain de sable dans les projets de Garaf. Puis ça fait que, tout ensemble, on forme une énorme équipe qui fait des projets merveilleux. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton aspect préféré du projet? Ben moi, en fait, mon aspect, c'est vraiment le fait de présenter à la ville qu'on est vraiment inclus dedans. Puis aussi le fait qu'il y ait plusieurs sortes de végétaux différents, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable. J'aime aussi vraiment le fait qu'on inclut les écoles, on veut faire en sorte que la population aime vraiment ça, puis ça, c'est de quoi qui est vraiment très bon pour moi. Merci. Que pensez-vous de travailler en collaboration avec les élèves du Garaf? Bien, c'est quelque chose qui m'enthousiasme vraiment beaucoup. En fait, à tous les étés, la ville de Drummondville, on a déjà une patrouille verte avec des élèves, en fait, qui vont du secondaire au cégep à l'université. Moi, j'adore travailler avec les jeunes. C'est travailler avec la créativité, c'est travailler avec l'enthousiasme. Ça nous amène une vision des choses que souvent, en tant qu'adulte, en fait, dans le cadre professionnel, on n'a pas. Moi, je pense que le Garaf va nous apporter des belles idées, va nous faire sortir de notre cadre habituel. Puis en même temps, c'est vraiment une belle collaboration avec un organisme, un partenaire de notre milieu. Donc, on est à Drummondville, on fait des belles choses à Drummondville. Il faut continuer d'utiliser les partenaires de notre milieu, puis les utiliser à bon escient. On vous a entendu poser des questions aux élèves du Garaf tout à l'heure. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez apprécié de la présentation? Bien, en fait, le projet qui a été présenté, c'est vraiment un projet concret qui est sur le territoire de Drummondville. Donc, c'est facile pour nous de pouvoir se l'approprier, puis ensuite, bien, d'être capable de le mettre en valeur, puis bref, de l'apprécier. Super, merci. C'est vraiment un beau projet dont le Garaf peut être fier. Un plan final du bassin sera créé en juin pour que les travaux d'aménagement puissent commencer à l'automne 2024. Oli, nous sommes lundi le 13 mai. C'est la première journée de la semaine thématique ayant pour but d'encourager les jeunes à lutter contre les changements climatiques. C'est vrai, Élé. C'est le début du Jour de la Terre anti-féri, notre toute première édition. Et espérons que ce ne sera pas la dernière. Pour ouvrir le bal, des élèves du Garaf ont remis au nom de la jeunesse une chaise des générations au conseil municipal de Drummondville.
C'est à la suite d'une invitation du regroupement Mère au front que les élèves du Garaf ont conçu à partir de matériaux recyclés cette chaise. À partir de maintenant, elle sera placée près de la table du conseil et rappellera surtout aux élus que leurs décisions d'aujourd'hui ont des impacts sur les adultes de demain. Viens, Élie, on va se rendre à la salle du conseil municipal. En tant que mairesse, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter une chaise des générations? C'est en tant que mairesse, mais surtout en tant que membre du conseil de la ville de Drummondville, à chaque fois qu'on pose des actions, on essaie de réfléchir à comment elle peut être durable, comment faire mieux, comment faire en sorte que la ville devienne résiliente, parce qu'on parle de changement climatique. Et dans le fond, la chaise des générations va être un symbole fort qui va nous rappeler pour qui on prend ces décisions-là, c'est-à-dire pour vous, les jeunes, qui plus tard allez gouverner notre ville. Donc, c'est la symbolique, le fait que des jeunes qui s'intéressent à l'avenir, à la politique, ça faisait que le conseil était tellement heureux de pouvoir avoir ce symbole-là pour guider nos décisions, éclairer nos pensées, faire en sorte qu'on continue de bien développer la ville pour le futur. Merci. Je suis présentement avec les élèves qui ont créé cette chaise. Pourriez-vous nous expliquer la symbolique de votre chaise? On a créé la chaise à partir de matériaux utilisés dans les transports pour rappeler aux élus que leurs décisions ont une influence sur le développement économique. La végétation et le cours d'eau qui sont représentés par notre chaise sont là pour représenter l'importance de préserver les espaces verts puis les milieux humides, très important pour la biodiversité. Les quatre saisons représentées sur une chaise doivent lancer un message à nos élus, disant qu'ils doivent reconnaître la perturbation des saisons causées par le réchauffement climatique et ils doivent prendre des décisions orientées pour favoriser la lutte contre les changements climatiques. Merci. Merci à toi. Vicky, en tant que notre prof d'art, pourquoi c'était important de faire participer les finissants du Garaf à la création d'une chaise des générations? Premièrement, cette proposition est arrivée, puis tout de suite, automatiquement, j'ai pensé à vous autres. Je vous ai vu grandir de la premier secondaire jusqu'en cinquième secondaire, réintégrer le tout, mais le souci de l'environnement, c'est quelque chose que je tiens à cœur. C'est pour ça que je travaille avec Garaf. Donc, ce merveilleux projet de travailler avec vous autres, avec tous les éléments recyclés et réintégrer tout votre apprentissage, pour moi, c'était hyper important. Puis vous voir rendu avec tout ce qu'on a créé, c'est vraiment merveilleux. Vous êtes vraiment des œuvres d'art vous-même, chers élèves. Merci. Ça donne un super beau résultat. Qu'est-ce qui vous motive dans votre engagement en tant que mère au front? Dans le fond, moi, c'était pour pallier à mon éco-anxiété. Le fait, c'est bien beau aller à des manifestations ou signer des pétitions, mais de faire ce projet-là, de la chaise des générations, mais ça me redonne espoir de voir les jeunes aussi, tout le monde prendre part à ce projet-là, autant les élus que la communauté. Ça donne espoir aux jeunes, puis ça me redonne espoir à moi aussi. Puis moi, en tant que médecin de famille, on dirait que mon intérêt comme pour l'environnement m'amenait à avoir plus de sortes de connaissances sur les liens entre les changements climatiques puis la santé publique. Et Mère au front est vraiment venue amener toutes ces connaissances-là puis cette volonté d'agir dans un mouvement citoyen qui venait rejoindre un petit peu donc, le côté professionnel, le côté personnel, très sensibilisé pour mes enfants. Puis donc, je trouvais vraiment que ça amenait ces deux sphères-là. Puis dans une sphère de mobilisation, on rencontre d'autres personnes aussi qui sont hyper mobilisées. Puis là-dessus, je rejoins Valérie, là, de créer un mouvement. Ça donne l'espoir, ça donne la force pour continuer à agir puis agir pour un monde meilleur. Pourquoi le projet des chaises des générations vous tient à cœur? C'est vraiment l'implication des jeunes, je trouve, qui est très parlant dans ce projet-là, parce que Mère au front l'a dit, c'est un mouvement qui est né de mères et d'alliés, mais qui est là pour le bien-être des enfants, des générations futures. Bien, avec ce projet-là, c'est eux qu'on met dans l'action, c'est leur voix qu'on fait porter. Puis encore une fois, je trouve que eux, de les mettre dans l'action, de mettre des jeunes, ça leur permet de porter leur voix
de diminuer l'éco-anxiété. On sait que c'est quelque chose qui les touche beaucoup à l'ère des changements climatiques. Et voilà, c'est vraiment de leur donner l'action, eux, le vecteur de changement. Voilà, c'est ça qui est important. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue. Comme vous le voyez, on fait les choses différemment ce soir. Ce soir, on a la chance d'accueillir un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes, c'est entre autres les étudiants de secondaire 5 du programme GARAF à l'école Jean Rimbaud qui sont venus nous présenter, enfin, parce que je vais dire enfin, ça fait longtemps qu'on l'attend, la chaise des générations. Avant de vous parler un peu plus du projet, j'aimerais saluer M. Lucien Maltais, directeur général du Centre de services scolaires des Chênes. M. Christian Gosselin, qui est le directeur de l'école Jean Rimbaud. On a plusieurs enseignants ici ce soir qui sont venus accompagner leurs élèves et ce que je peux vous dire, c'est que nos enseignants sont extraordinaires, sont pétillants. Ils sont là parce qu'ils sont fiers de leurs élèves. Alors, merci de prendre du temps ce soir pour accompagner vos jeunes. La chaise de génération, c'est un symbole fort qui tranquillement fait son entrée dans les conseils de ville. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Bien, c'est un message de nos jeunes. Nos jeunes qui veulent nous rappeler que chacune des décisions qu'on prend, bien, ça va avoir un impact sur leur avenir. Donc, la chaise va rester dans la salle du conseil et quand on va prendre nos résolutions en tant que conseil municipal de la ville de Drummondville, bien, on va avoir ce symbole-là pour nous rappeler pourquoi on fait les choses. Je tiens à vous dire que le conseil municipal est déjà très sensible aux questions environnementales parce qu'on va avoir toute une ville à rendre résiliente dans les prochaines années. Mais avoir un symbole comme ça fait juste nous rappeler qu'il faut faire mieux, il faut faire un petit peu plus vite également. Et de voir que des jeunes, parce que c'est un acte politique, s'intéressent à la gouvernance de leur ville, bien moi, ça me touche énormément. Donc, merci, merci énormément d'avoir pris le temps de faire ça pour votre conseil municipal. Les élus étaient extrêmement reconnaissants d'avoir cette chaise-là pour la suite des choses. Maintenant, j'aimerais inviter Mme Valérie et Mme Caroline des Mères au front à venir vous adresser quelques mots. Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir. Nous sommes Valérie Bourret et Caroline Bissonnette Roy, citoyenne de Drummondville et maire au front pour la MRC de Drummond. À Maire au front, nous sommes des milliers de mères et grands-mères, de pères et grands-pères et d'alliés de partout au Québec et au-delà. Nous souhaitons léguer un monde plus juste, plus vert et plus résilient pour nos enfants et aux générations futures. Aujourd'hui, nous accompagnons les élèves et les enseignants du programme GARAF de l'école secondaire Jean Rimbaud pour concrétiser tous ensemble le projet de la chaise des générations afin qu'une place symbolique soit réservée à la jeunesse et aux générations futures lors de vos rencontres parce que vos décisions d'aujourd'hui déterminent leur futur. Nous souhaitons que cette chaise soit placée en permanence autour de la table du conseil municipal et qu'elle vous rappelle leurs attentes des générations à venir à l'égard de l'urgence climatique. Que la protection du vivant sous toutes ses formes soit au cœur de vos décisions et de vos actions. Nous espérons que ce symbole fort vous aide, malgré les aléas et les urgences du quotidien, à garder le cap, afin de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir à la hauteur de leurs inspirations, à la hauteur de ce qu'ils méritent.
Que cette chaise vous donne le courage et le pouvoir d'agir avec ambition pour la santé, la sécurité et le bien-être des générations futures, considérant que plusieurs solutions pour préserver la biodiversité, réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution relèvent du champ de compétences des villes, comme le transport collectif, l'aménagement du territoire, la protection des milieux naturels et la gestion des matières résiduelles. Nous remercions les enseignants et les élèves pour leur grande et sincère implication et nous invitons maintenant les élèves à présenter leur chaise des générations. Bonsoir, chers membres du conseil municipal de Drummondville. Ce soir, au nom de la jeunesse, nous croyons qu'il est important de vous remettre cette chaise de génération. En l'acceptant, vous, chers élus municipaux, vous vous engagez à user de votre pouvoir pour le bien-être des générations à venir. En tant qu'élève du Garaf de l'école Jean Rimbaud, nous savons à quel point il est nécessaire de sauvegarder la biodiversité. Nous espérons que vous continuerez à préserver des zones vertes, trop souvent menacées par le développement urbain, et que vous serez même capable d'en restaurer. De plus, selon nous, trouver des moyens de valoriser la beauté de la faune et de la flore inciterait aussi la communauté à la découvrir et à en prendre soin. Et pourquoi ne pas multiplier davantage les espaces fleuris qui attireront les pollinisateurs, jouant un rôle si essentiel entre les écosystèmes? Surtout, n'hésitez pas à faire preuve d'audace en ajoutant des toits végétalisés aux édifices publics. D'ailleurs, vous le savez, la végétation abondante permet aussi de réduire les îlots de chaleur urbaines. C'est pourquoi nous, les jeunes, nous sommes heureux de compter sur votre soutien pour pouvoir augmenter la densité des arbres en ville. Et plus encore, nous vous proposons de mobiliser les familles ainsi que les entreprises à prendre part à ce défi en organisant des plantations citoyennes. Tous ensemble, avec votre aide, nous serons nous adapter au changement climatique grâce à l'augmentation de la canopée urbaine. Nous sommes tous conscients du dérèglement des saisons. Il est donc urgent d'agir pour atténuer les impacts sur ceux qui n'en souffrent le plus. Enfin, nous, adultes de demain, nous vous félicitons pour tous les projets novateurs que vous avez déjà réalisés. Continuez sur cette lancée. Surtout, chaque fois que vous regarderez notre chaise, souvenez-vous qu'il est primordial de cohabiter en harmonie avec la nature, notre plus cher allié pour les générations futures. Trouves-tu, Élie, qu'un événement comme celui-là, ça fait juste nous rappeler qu'on doit unir nos forces pour notre communauté? T'as tellement raison, Élie. Avec le soutien du monde politique, mais aussi des acteurs économiques, on peut mieux lutter contre les changements climatiques, ou du moins, trouver des moyens de s'y adapter.
Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.